beaucoup de voix, beaucoup tapés dans les mains également. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on va accueillir le premier Nakmwe dans le coin Sinamgun, le coin bleu. Il est âgé de 27 ans. Il mesure 1m77. 65 kg, 400 grammes à la pesée. 14 combats professionnels, 11 victoires, dont 10 avant la limite. Il a eu un titre international dans la fédération WPMF en 2016. Il est champion du monde WMO de Muay Thai. Ça, c'était en 2018. C'est sa quatrième participation au MTGP. Et c'est de celle, peut-être, la plus importante ici ce soir. Allez, on l'accueille comme il se doit. Il nous vient du 974 de l'île de la Réunion. Allez, il est accueilli par la team Mamouti. On y va pour accueillir Jérémy Payet. Magnifique, hein? Ouais, faut y aller un bout. Maintenant, nous allons accueillir son adversaire dans le coin Sideng. Je vous l'ai dit, il nous vient tout droit de Thaïlande. Il est âgé de 31 ans, il mesure 1m70, 65 kg, 700 grammes à la pesée. 224 combats, 163 victoires, dont 2 matchs nuls, dont 16 avant la limite. Il a été 3 fois champion du Lumpini Stadium, 1 fois champion de Thaïlande. Une fois champion du monde WMC, il a reçu il y a quelques années le trophée du meilleur boxeur de Thaïlande. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est ici pour vous ce soir au Cirque Boardman. On va l'applaudir comme il se doit également. Le Thaïlandais Kongta. Pour arbitrer ce combat international, monsieur Abdé Traoré. Oh là là, en l'espace de 5 secondes, j'ai cru que j'étais au resto, au buffet à volonté asiatique de mes parents. Avec la faire musique. Des danses comme ça. Je suis sûr, c'est sûr. C'est terrible. Je sais tellement ce genre de musique. Mais c'est ce côté un peu farfelu qu'on aime. Dédicace à mes parents s'ils vont regarder le live, voilà. Comme ça. Les buffets à volonté du nouvel an. Arrête, tu vas me donner faim. Ouais, on a bien mangé ce midi. Hein. On ouais, savait que là, toute la journée, on serait là, qu'on commenterait des matchs de fous furieux. Et là, Jérémy Payet. Yeah. Bon, vous avez quand même entendu le palmarès du Thaï. Hein. On n'est pas sur, ouais, pas sur du bas de gamme. Là.
Il est favori, mais il est, faut avoir la foi en Jérémy. Ah oui, non, après, comme on l'expliquait tout à l'heure, hein, s'ils sont en face aujourd'hui, c'est qu'ils se valent. Hein. Donc, il n'y a rien qui est gravé, il n'y a rien qui est... Ça peut aller très très vite. Hein. Eh oui, Jérémy Mamoudi aussi. Hein. On a vu ce que ça avait donné avant, hein, la team Mamoudi. Oui. Ça fait des KO en deux minutes. Hein. Il a été formé, enfin formé, en tout cas préparé chez Monsieur Mamoudi. Ouais. Pendant trois semaines, hein, il est venu de la Réunion exprès pour s'entraîner chez Mamoudi. Pendant trois semaines, il avait la petite chambre dans le club, dans le dojo. Il s'est mis dans les conditions les plus... Là, c'était condition. Tu manges Muay Thai, tu dors Muay Thai, tu bois Muay Thai. Tu bois Muay Thai, tu penses Muay Thai. Ouais, là, c'était entraînement hardcore. Hein. Il n'y a que ça pour se préparer. De toute façon, face à un boxeur comme Kong Sak, il faut rien prendre à la légère. Ah ouais, c'est le minimum. Mais il avait l'air, on lui a parlé tout à l'heure, il avait l'air plutôt bien. Il avait l'air plutôt. Il a l'air bien. Là, le regard, avec nous, il souriait et tout. Mais ouais, là, le regard qu'il avait en rentrant, c'est. Très belle entrée d'ailleurs de Jérémy Payet. Ouais, il a très belle chanson. Entrée. Ouais. On est pour Jérémy là sur le chat. La concentration, la concentration Réunion. Était à son max. Let's go Jérémy, let's go Jérémy. Ah, là on est pour Jérémy max. Là, envoyer des feux, des fire. Ah, là on veut ça. Il faut envoyer de la force. Ça me fait bizarre d'être sur le live, vous me faites pas faire des push-ups. Et on te ménage hein, Moussa. Ah ouais, là aujourd'hui vous êtes gentil avec moi. Normalement c'est Moussa à 30 tractions, 20 tractions, 10 push-ups, 100 middle, des sprawls, des burpees. Des sprawls, des burpees. Me chauffe pas, je vais aller en faire sur le ring. Non, ça va. Mec, il pète un câble, il enlève le micro et tout. Ils vont se dire, mais c'est pas le mec de la régie technique. Parce que les gens, ils comprennent pas ce qu'on fait ici. Hein. Déjà, ils disent, ouais, c'est quoi, c'est chelou. Ils comprennent pas qu'on fait un live en direct. Beaucoup de soutien pour Jérémy, vous êtes fort, vous êtes lourd. Je connais personne et rien en Muay Thai, mais let's go, la beauté du sport. Yes, c'est ça, Black Cyril. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on soutient Jérémy là, sur ce combat. Ouais, il faut lui donner de la force. Mais hâte de voir ce que vaut un champion thaïlandais face à un champion comme Jérémy. Là, il est au max de sa concentration. Je pense que là, il ne voit que son adversaire. Il ne voit rien d'autre. Ah oh ouais, Jérémy, il a un regard là. C'est pas le même que j'ai rencontré. Oh putain. Non, c'est il pas est le prêt. Même regard de celui qui me tenait les pas hauts sur les stories que vous avez vues. Ah, il y a une tension dans la salle. Ouais, là, il n'y a pas un bruit. Là, il y a eu zéro bruit pendant 5 secondes, tu vois. Allez, ça va aller vite. Ça va aller vite. Faut que Jérémy s'impose tout de suite. Allez, ça part. Let's go. C'est parti. Une des trois têtes d'affiche là qu'on a ce soir. Allez. Montre-lui tout de suite. Allez, faut le choquer un peu. Montre que tu sais. Voilà. Regardez là. La jambe gauche du Thaï là, prête à partir. C'est sa marque de fabrique. Il cadre. Allez, toujours ce petit sourire esquissé. Pour essayer de prendre l'ascendant, le côté psychologique. Pour montrer qu'on est à l'aise. Jérémy, faut qu'il s'impose face à ça. Oh! C'est bien ce que fait Jérémy pour l'instant. Et voilà! Très bien! C'est ça qu'on veut, cet enfant fin en genou, de type, là, il est rentré en genou. Hop! Mais voilà, oui, tout de suite. Allez, c'est exactement ça qu'il faut faire. Oh là! Quand il déclenche sa jambe, venir le contrer, voilà. S'imposer tout de suite, avoir un temps d'avance sur lui. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est bien ça, bien en ligne. Oh faut pas qu'il s'enflamme, pas qu'il voilà, s'enflamme, qu'il se voilà. Pose. Voilà, tranquillement. Il est fougueux, là. Et qu'il garde. Voilà, vous voyez le devancer à chaque fois sur sa jambe gauche. C'est ce que je vous disais. Il faut vraiment avoir un temps d'avance sur lui. Allez Jérémy, ça va passer. Il a saisi la balayette derrière, c'était parfait, continue comme ça il Jérémy. Il a saisi la jambe et il l'a balayé, simple et efficace. Très bien. Oh là là, il est bien dans son combat pour le début. Allez, continue comme ça, allez let's go.
Oh là là. Il met des patates, Jérémy, comme il faut. Allez, juste focus sur ah ça. Ah ouais, le type, là, il se fait repousser avec les types. Encore une fois, là, ça fait trois fois. Aïe, 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 aïe. Et il s'est mangé plein de types, là, dans le ventre. Voilà, sa fameuse jambe gauche, hein, comme je vous l'avais dit. Faire attention à ça. C'est bien ce qu'il fait. Il faut... Voilà, qui se laisse pas enfermer. Bien. Voilà, tourne, tourne, voilà, tourne. Repousse-le, repousse-le. Voilà, voilà. Toujours venir casser la distance au moment où il envoie la jambe. Dès qu'il envoie la jambe, casser la distance, rentrer allez, en anglaise. Voilà, voilà, ou venir le contrer. Bien, voilà. C'est bien ce que fait Jérémy. Il reste 10 secondes. Voilà, match allez, à match coup, à la pression. Coup, voilà, tiens le coup. Tranquillement. Fin de la première reprise, voilà. C'est bien, il est bien là, ah, Jérémy. C'est bien. Là, hein. Là, franchement, il a parfait ce premier round là, c'est bien, bien, bien. Il a su imposer son style. Jérémy. Non, Mika Benatar n'est toujours pas passé, c'est le combat d'après. Benatar, il passe à. Ah oui, c'est vraiment le combat juste après. Donc, vous en faites pas ouais, là, c'est Jérémy, que du lourd. Jérémy, très bonne anglaise. Voilà, au ralenti, vous avez vu la fin de middle, fin de chip, rentre en genou. Oh, il était trop beau ce coup. Sweep. Oh là là, ça c'était, ça, c'était pas beaucoup mal, ça. Trop beau. Pour l'instant, c'est bien ce que fait Jérémy. Faut qu'il maintienne ça. Allez, c'est reparti. Deuxième round. Jérémy déjà prêt à en découdre. Il était déjà là 10 secondes avant le taille. Bon, j'espère que ça va bien se passer aussi. Allez. Ce soir, deuxième round. Là, c'est parti direct. Ils n'ont pas le temps. Allez, toujours attention à cette jambe gauche. Allez, ça jauge un petit peu et hop. Allez, sort de là, Jérémy. Voilà, voilà, oui, voilà, percute qui est rentré. Oui. Voilà. Oh, il l'a provoqué un peu. Ah, s'il fait ça, c'est qu'il est touché. Hein. Yeah. S'il fait ça, c'est qu'il est touché. Donc, il faut faire attention, okay. Ne pas rentrer dans son jeu. Aïe, 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 le surtout PAM, c'est pas parti. Rentrer dans son jeu. Première phase de PAM entre les deux. Allez, allez, hey, hey, ça marque des deux côtés. Voilà, hey, ouais. Oh, j'ai cru qu'il allait lui mettre la balayette. Il a tenté de le balayer. Voilà, c'est bien ce que fait Jérémy. Il le colle bien. Marque tes points, Jérémy. Voilà, hey. Marque tes points. Allez, lève les genoux. Voilà, elle bon. Était bien là, Jérémy. C'est bien, c'est allez, bien. On continue. Allez, tente une petite allez. Sortie en coude là. Tente une petite sortie en coude là. Allez, allez, allez. Essaie de t'imposer. Ah, le taille, il le serre. Hein, il le laisse pas. Ah, Kongsak, Kongsak. Les coudières. Ça doit lui faire bizarre, hein. Ça doit lui faire bizarre. Ouais, à ouais, fois, il n'est pas habitué. Les Thaïlandais, ils ont pas de coudière, eux. Allez, 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 on oui. A bien avec le low kick pour sortir. Très belle phase d'anglaise avec une sortie en jambe. Oui, oui, c'est bien ce qu'il fait. Jérémy, très explosif là. Ouais, oui, très bien touché. Ouais. Allez, lève les genoux, Jérémy, monte, marque tes points. Oh oui, ça rentre encore en anglaise, c'est bien. Ça vient le déstabiliser un peu là. Il faut le faire douter. Voilà, il faut marquer ses points derrière, s'imposer. Oui. Hey. Ah, il fait le blocage. Il essaie de le bloquer. C'est moi qui lui ai appris. Tu nous l'as appris, hein, je sais. Ouais, c'est moi qui lui ai appris. Ah, ça continue. Ah, l'arbitre, voilà, l'arbitre les sépare. Faut que ça reparte. Allez, reste moins d'une minute sur le deuxième round. Il faut maintenir ce travail. Ouais, il reste 40 secondes plus précisément. Allez, on continue comme ça, c'est bien. Oh eh bien. Il est tellement vif, Jérémy. Mais il l'a compris, hein, il l'a compris, hein, qu'il fallait le contrer. Hein.
Regarde, cette fameuse jambe gauche à chaque fois. Hein. C'était sûr, c'était sûr. C'est sa marque de fabrique. Ouais, c'est bien ce que fait Jérémy. Allez, essaie de déclencher un peu là. Allez, allez. Allez, faut le faire. Voilà. Faut le faire réagir pour venir le contrer. Allez, allez, allez. Allez, 10 secondes, tu tiens là. Oh, la bonne saisie. Allez, 1 seconde et c'est bon. Time, fin du deuxième round. C'est bien. C'est bien ce qu'a fait Jérémy lors du deuxième. C'est bien, c'est bien. Bon, là. Là, je le vois bien gagnant. Hein. Enfin, faut vraiment que le troisième round il continue sur cette lancée. Très belle hypercute. Ah. Ah, vraiment solide, Jérémy. On va regarder un peu les commentaires. Ouais, 2 pour Jérémy. Ouais, je le vois aussi comme ça. Secteur G, merci beaucoup. Si t'as lâché ton prime. Ah, merci, je viens de le voir. Allez, je lâche mon prime. Let's go, Jérémy. Merci beaucoup, Secteur G. Merci pour le soutien. Ouais, l'État, il démarre au troisième round, mais là, on est sur un 3x3. Non, Omar, il boxe en dernier. Mikiz. Oh, Manuel Ferrara, coucou, j'espère que tu vas bien. Manu, ça fait plaisir de te voir sur la chaîne. Où ça? Manuel Ferrara. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il a l'air d'être revenu sur ce round. Bah là, le troisième round, ça va faire vraiment la diff, là. On va peut-être voir des surprises. Allez, Jérémy. Troisième et dernier round. Envoyez du feu sur le chat, on veut du flamme, des flammes pour allez, Jérémy. On veut beaucoup de genoux, on là. On veut du soutien, du Genki-Dama. Allez, let's go. Allez, allez, fallait le chercher au PAM. Allez, 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 Jérémy. Voilà, allez, allez, marque tes points. Allez, faut débiter. Travaille en débit, voilà. Allez, let's go. Allez, explosif, c'est bien. Oui, mais le oui. Genou est rentré. Le genou est rentré. Hey. Ah non. Mais non. Non. C'est rien. Je vais faire le voir tomber. T'as failli tomber de ta chaise aussi. Mais oui, grave, j'ai failli tomber en vrai, moi aussi. Reste là, reste là. Lui. Let's go. Mais oui, fais-le tomber. Oh. S'il fait ça, c'est qu'il est à l'aise. Hein. Après, faut pas s'oublier. Faut rester dans ça. Voilà, faut rester dans sa boxe. Allez, essaie de pas te jeter, Jérémy. C'est le dernier. Oh non, il se fait mettre à terre encore. Ne pas s'enflammer, ne pas s'enflammer, Jérémy. Eh, c'est le dernier round décisif là. Déconne pas. Hein. Désolé pour vos oreilles. Hein. Je suis trop à fond. Hein. Allez, 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 allez. Ah là, c'est bien. Allez, le type. Oui. Comme il faut. Ah, on est déjà à la moitié du temps là sur le troisième et dernier round. Il faut, faut qu'il continue son travail, Jérémy. Il faut qu'il fasse juste la même chose. Allez, Jérémy. Hey, non, allez. Bien. Ah. Allez, agrippe-le. Allez, monte les genoux. Voilà. Ouais, il le bloque. Monte les genoux. Ah, la balayette. Sweep. Time. Allez, dernière minute de ce dernier round. Dernière minute. Il est fatigué. Ouais. Allez, Jérémy, lâche rien. C'est les 50 dernières secondes. Ils sont tous secondes. Les deux fatigués. Si Kongsak n'était pas fatigué, il ne tournerait pas comme ça. Il irait au front. Voilà, s'il tourne comme ça, c'est qu'ils sont tous les deux éprouvés. Là, ça va jouer à très, très, très peu, là. Ouais, voilà. Ça peut aller très vite. Faut qu'il lui fasse une bonne phase d'anglaise comme tout à l'heure. Faire attention, parce que là, Jérémy, il a pris quelques directs et des crochets, là. Faut qu'il fasse attention. Allez, Jérémy, ah, voilà. Bien le low kick. Oh, oui. Mais oui, c'est bien, cette droite, c'est ça qu'on veut. Vas-y, mets les coups d'hier, gagne du temps, mec. Voilà. Allez, c'est bon. Time. Yeah, time. C'est bien.
Oh là là, normalement là c'est... Normalement, je dis bien normalement, victoire de Jérémy, normalement. C'est Elias Armoudi qui va remettre... Franchement, très très beau combat. Hein. Par pitié, ne mettez pas en égalité. Oh, c'est clair, là il y a un gagnant. Non. Et le gagnant c'est Jérémy. Dur de se prononcer sur le dernier round, personnellement. Après, je mettrais plus Jérémy sur les deux premiers, après... Voilà, 2-1 pour Jérémy, je suis assez d'accord avec Greg Bastos. Non, je ne vois pas égalité. Vous dites quoi, le chat, vous mettez quoi, vous? Ça, il pourrait donner égalité, hein, mais... Moi, je veux Jérémy, là. Ah, ce serait dommage, un match nul. Raigas, tu m'entends, qu'est-ce que t'en penses? Tu mettrais qui, là? Oh là là, oh là là, s'il te plaît Jérémy. Allez, c'est pour Jérémy. Victoire de Jérémy. Allez, c'est pour Jérémy. Donc sac. Allez, c'est l'heure de la décision. Ah, ce serait beau hein, pour Jérémy.